Heidi, Heidi, les choux de Heidi, qui a la rachetée, il est Heidi. C'est parti. Les gars, regardez-moi pour une dernière fois. Je m'ai posé une question à Beuf. Si je ne suis pas revenu, j'ai fait mon testament en même temps. Il y a deux cabines cellulaires au quartier. Le boutiquier a gardé mon alliance de 50 000. Je m'ai interviewé Bevo. Viens, caméraman, viens, on va mourir ensemble. Voilà. Ça va un peu? Mesdames et messieurs, en direct, vous êtes traquants. Yeah, yeah. Je vais monter sur Bevo. Vous êtes sûr? Voilà. Je suis monté, mais je ne vais pas durer. Prenez vite. Estrakhan, depuis Pabou à l'abattoir, un Touareg qui est superbe, c'est que Mali va gagner. Merci beaucoup, aidez-moi à quitter, manager le pas. Vous me montrer mouton malien, mouton de Mali. Voilà, mouton malien. Dans les moutons là, voilà, mouton malien. Parlons là, faut donner ton score. Ouais, 2-0 pour Mali. Donc, je vais prendre le pronostic ici de ce côté aussi. Monsieur, bonjour, s'il vous plaît. Voilà, ça, c'est ceux-là qu'on appelle les brouteurs. Et ils travaillent sur ordinateur, et broutes, c'est les brouteurs. Voilà, le score. Mali en train de jouer ballon actuellement avec Ghana. Qui va gagner le score? Il dit score, il n'a pas dit de manger micro. Score. C'était le magnifique pour Estrakhan depuis l'abattoir de Poboué. Voilà, les moutons du Mali. Pardon, les aigles du Mali sont en train de jouer actuellement très fort sur le terrain. C'est pas encore fini. C'est lui-là même, on cherchait même. C'est lui-là. Ça va un peu? Ouais, ça va bien. Voilà, toi au Mali là-haut, toi tu es quelle ethnie là-bas? Tu es quelle ethnie? Moi, je suis Koroboro. Ah, Koroboro. Voilà. Et Koroboro, il paraît qu'ils sont dangereux. Hein. Voilà. D'accord. Toi, tu peux commenter le match. Bide Seydou Keita. Il faut traduire ça en Koroboro. Comment Maïga a donné à Seydou Keita. Seydou Keita a morti et puis il a fait contrôle. Et puis il a limé. Et puis, il faut dire ça en Koroboro, pardon. Seydou Keita. Ah non, Modibo Maïga, il a marqué B. Non. Toi, tu as parlé en français. J'ai dit de parler dans ton ethnie là. Yarounse, c'est à l'Alir, je suis de l'Alir. Voilà, faut parler ça en Koroboro. Mesdames et messieurs, en direct depuis Estrakhan Stadium à Poboué, en témoignage des moutons sur les aigles du Mali, voici commentateur Koroboro. Voilà. Seydou Keita, Anno Tidjani Diawara, Sak Tidjani Diabaté, Andam. C'est bien. Donc Mali combien? Ghana combien? C'est bien sûr, on veut 2-0. 2-0. Mais il y a déjà 1. Il y a déjà 1, non? Ouais, Ghana fait 1. C'est qu'on veut 3-1. Ah d'accord. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment merci beaucoup. Voilà. On va trouver les supporters là-même. On est sur les routes de train. Donc on s'en va comme ça. On s'en va où il y a les supporters maliens. Ils sont au kiosque. Voilà. Supporters maliens, c'est où? Vous êtes où? Ah ouais, tous ceux qui supportent Mali, là, ils sont où? Mali! Ghana! Ghana! Mali! 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 Nous sommes à l'abattoir! Tous les marins! Ghana penalty! Oh, qui ça? Ghana penalty! Ghana! 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 Ghana a mis au coin. Ghana vient de marquer. Excusez-moi, pardon, je viens. Excusez-moi, pardon. C'est penalty. Et puis c'est marqué. Il a marqué. Oh. Yeri, ils ont oublié que je suis supporter de Ghana. Je suis dans l'air bon, je ne peux pas parler fort. Ghana va tabasser mal. Président ONG Ker Noir. Faut pas dire à quelqu'un, alors encore dans les bruits, deuxième mi-temps, Ghana va mettre 4. Voilà, c'était le commentateur Koroboro en direct depuis l'abattoir de Poboué pour Estrakhan, mauvais, ONG Ker Noir, Abraham Ademoabi. Nous avons vu le magnifique Jimmy Danger à l'œuvre à Abidjan et la ravissante Raquel à Johannesburg. Aujourd'hui, un autre envoyé vraiment très spécial nous attend à Paris. Bon, donc là, nous sommes dans Estrakhan. Je me transforme en journaliste parce que, à personne exceptionnelle, journaliste exceptionnel. Nous allons aller vers quelqu'un et vous allez comprendre pourquoi nous allons vers la personne. Suivez-moi. Voilà la personne. Gadi Sely, Saint-Joseph, le seul capitaine victorieux de la Coupe d'Afrique des Nations.
Il va nous dire c'est quoi le secret pour remporter cette coupe, parce qu'en Côte d'Ivoire, on l'attend cette année. Écoutez, les éléphants, il n'y a rien. Il n'y a rien de spécial. Pour gagner un trophée, j'enlève ton maillot. Je l'attache ici, au rein. Tu vas chercher le trophée. Ça, c'est de la métaphore. Hein. Enlever le maillot et l'attacher au rein, ça veut dire c'est de se donner corps et âme au-delà de la technique qu'on peut avoir. Donc, trop fort comme journaliste. Et traduit en même temps, Salfo. Il ne faut pas se déconcentrer. Il faut rester concentré jusqu'au bout. Même pendant les pénalties. Vous savez que nous, on a eu le record des pénalties. Ouais. Et qui vous a dit qu'on ne gagne pas la coupe au pénalty? La Côte d'Ivoire a remporté la coupe au 12e pénalty, je me rappelle. Merci beaucoup. Ok, c'était Gadi Sely. On va trouver quelqu'un d'autre. Encore, attendez, c'est des surprises. Suis-moi avec la caméra. Habituellement, c'est elle qui me pose les questions. Aujourd'hui, c'est moi qui vais lui poser des questions. Marie-Angèle Touré, elle est là. Alors, c'est quoi ton pronostic d'abord pour la Côte d'Ivoire? C'est-à-dire, tu vois la Côte d'Ivoire jusqu'à quel niveau de la compétition? Dis-moi. On est obligé de voir la Côte d'Ivoire jusqu'à la finale, évidemment. Ça le faut. Jusqu'à... Bon, donc ça veut dire que tu penses déjà à la Coupe. Bien sûr. Quel message tu peux lancer aux joueurs? Parce que ça, ce message-là va leur être adressé directement. Quel message tu peux lancer aux joueurs de la Côte d'Ivoire pour qu'ils aient la motivation pour remporter une fois pour de bon cette Coupe que nous attendons? Ce qu'on peut promettre aux joueurs, c'est que... Et puis de toute façon, ils ont déjà toutes les clés en main. L'équipe de Côte d'Ivoire n'a plus rien à prouver. Voilà. Donc on sait que là, on a l'équipe, on a le mental, on a les éléments, on a même l'organisation autour. Donc on n'attend qu'une chose, c'est que vous nous gagnez cette Coupe d'Afrique des Nations, enfin. C'est ça qu'elle avait... Marie-Angèle Touré a parlé. Elle a parlé en tant qu'invitée d'Assalfo. La Côte d'Ivoire. Ok, éléphant, on est avec vous. On continue la visite, les gars. Merci. Merci, bye. Demain aura lieu une bataille déjà décisive entre éléphants et aigles de Carthage dans le groupe D. Et si on allait prendre le pouls de la situation à Tunis avant ce choc? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Qu'en pensez-vous de la poule de la Tunisie? C'est une poule de fer pour les trois équipes, la Tunisie, le Côte d'Ivoire et l'Algérie qui se battent. Le reste, que la Côte d'Ivoire est plus expérimentée et elle a des joueurs de talent qui peuvent faire la différence. Ah oui. Oui. Avec gros morceaux comme la Côte d'Ivoire, pensez-vous que la Tunisie puisse se qualifier? Elle peut se qualifier ici. Elle sait comment on va jouer contre le Côte d'Ivoire et l'Algérie. Que pensez-vous du Drogba? C'est l'éléphant de Drogba. C'est un éléphant, c'est un grand, grand joueur de Drogba. Et bon, Drogba, j'imagine que personne en Tunisie ne peut nier les qualités balistique de ce mec. Donc l'idée c'est la tireur. À votre avis, qui va se qualifier? Sur un terrain à la Côte d'Ivoire, sur l'Afrique, ils sont quand même bons. Malgré les grands joueurs comme Drogba et Gervinho, on peut qualifier